Hey, coucou! Donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo. Donc c'est un retour de course. Donc j'en fais très peu. Donc là je suis dans ma cuisine. Donc faites pas gaffe au décor, hein. Du coup je vais vous faire le retour de course. Donc j'ai été à Intermarché, j'ai été à Aldi où j'ai trouvé une petite bricole, ainsi qu'à Lidl. Donc, du coup, c'est juste des petites bricoles qui nous manquaient, hein, autrement, on fait les courses normalement. Donc, on a pris de pâturage des fruits max. Donc, il y a abricot, pêche, ananas, framboise, cerise et fraise. Donc, comme ceci. Et ils sont à 2,54 €. Ensuite, j'ai pris de pâturage, donc de la marque Intermarché, les pâturettes, donc saveur Palais Breton, qui est à 91 centimes les 4. Ensuite, on a voulu tester de pâturettes chocolat saveur menthe, donc qui est à 91 centimes aussi. Ensuite, j'ai repris celui que je prends régulièrement, c'est celui au chocolat blanc qui a 97 centimes. Et celui-là, je vous le conseille, ainsi que le Palais Breton, ils sont super bons. Ensuite, j'ai repris de la pâte à Milka. Donc ça, c'est pour maman. 1,94 € et il est super bon parce que dedans en fait il n'y a pas de huile de palme. Ensuite j'ai pris de la marque Freedom Mint pastille goût fruits des bois, donc c'est le nouveau packaging, et donc 1,01 € cette petite boîte. Ensuite, j'ai pris donc, des plats préparés. Donc, de Florinichon, on a pris rougail saucisse et riz créole, qui est à 3,38 €. Et on a pris filet de lieu sauce au beurre blanc et riz aux petits légumes, qui est à 3,58 €. Aussi, donc rougail 3,38 €, celui-là 3,58 €. Donc voilà pour Aldi, pour Intermarché. Aldi, j'ai pris ce ticket-là, c'est 2,99 € pour 2,99 € à Aldi de la marque Isora. J'ai pris un assortiment de pâtes de fruits, donc il y a cassis, abricots, framboises, fraises ainsi que poires, et il y a 550 grammes. Donc avec le petit café ou autre, c'est parfait. Donc voilà pour les pâtes de fruits. Et ensuite à Lidl, un ticket de carte. À Lidl, j'ai pris des chaussons mini, donc en 36-37. Ils étaient normalement à 5,99 € et je les ai payés 4,19 €. Et je trouve au niveau de la semelle, c'est parfait. Ensuite, les boules de bain. Donc j'en ai pris deux. Donc des boules de bain comme ceci, ils sont à 1,98 € pièce. Et ça sent, je sais pas ce que ça sent, mais ça sent super bon. J'ai pris un bain moussant citron vert. Le bain moussant, il est à 99 centimes. Ensuite, des sels de bain au sureau, donc 99 centimes pour 60 grammes.
Et des perles de bain à la grenade à 99 centimes aussi. Et un Intermarché, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris de la marque Nivea Black and White Invisible Original, donc en pocket, et il vaut 1,87 € le déo. Donc voilà, je vous ai tout montré le retour de course. Donc je vais ranger tout ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo. On devient de plus en plus dans la communauté. Donc j'ai dit aux 1700, je ferai un concours. Pour l'instant, on est à 1634. Mais au 1700, il y aura un concours. Et n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!